Kande Alborare du côté de la radio nous accompagne avec ses 190 boutons, hein, techniquement parlant. Et puis bien sûr, du côté de la télé, nous accompagne aujourd'hui Rigobert Kourouma. Non, lui c'est Robert. Et de l'autre côté, lui c'est Vaba Kouivogui. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Le dernier numéro de la semaine de Kavi Konkoré, votre matinale ici, pour ceux qui sont à la radio. Sur la bande la plus folle, bien sûr, la 89.5 Kavi FM. Eh bien, c'est Chéri Papis Gono, l'enfant des OV pour le perroquet du Mont Nimba. On s'installe. Bon, on arrive donc pour près de deux heures, hein, on va dire, d'émission. Pour essayer, bien sûr, de vous rebooster, de vous réveiller, de, bien sûr, essayer de vous remettre d'aplomb, hein, ce matin, ce vendredi. On va dire 20 octobre 2023, mesdames et messieurs, on s'installe. Vous êtes, bien sûr, devant Star Time. Vous êtes devant votre petit écran et votre abonnement, c'est Star Time. Et bien, vous allez tout simplement prendre votre télécommande et vous composez le 500, c'est-à-dire 500, le canal 500. Et bien, vous nous suivez en direct sur Star Time. Si vous êtes, bien sûr, sur abonnés, bien sûr. On a constaté, oui, quelqu'un nous a fait la remarque. Mm-hmm. Beaucoup sont aujourd'hui, nous regardent à la télé. Donc, du coup, voilà, ne soyez pas étonnés si, voilà, il y a quelques petits changements. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Voilà pourquoi d'autres préfèrent directement nous appeler à travers la télé. Merci à tous et toutes ces personnes qui nous considèrent, qui nous regardent. On ira ensemble, on va y arriver, bien sûr. Pour ceux qui sont restés sur Facebook, hein, ben, vous pouvez partir sur notre page, on va dire, Kavi, le groupe Kavi, Kavi Media, hein, groupe Kavi Media, vous tapez ça dans recherche Facebook et puis voilà, vous pouvez nous suivre en direct. Abonnez-vous carrément. Et puis, si vous voulez plus d'informations, bien à la seconde, bien vous partez sur la page d'information, notre page d'information, où on parle français, anglais, ourdou. Hein? Oui, ça c'est en Inde. Oui, on va même dire russe. Ouais. C'est-à-dire, quand vous prenez, ça peut être traduit dans toutes les langues que vous voulez. Donc, vous pouvez aller sur siaminfo.com, mesdames et messieurs, bonne arrivée. Et on dit bonjour à la section sportive qui fait de son mieux pour nous donner beaucoup d'informations. En parlant sport, justement, nous allons parler de notre Serhou Guirassy. Dans Poté des Stars aujourd'hui, oui. Serhou Guirassy, c'est une star. Devant les Mbappé, les Neymar. Bon, le petit Lalé encore s'est blessé. Lui, c'est son travail, ça. C'est-à-dire, quand il y a les grands événements, c'est là. Mais je suis blessé. Bon, heureusement que lui n'a pas un marabout qui est venu dire que ouais, le contrat n'a pas été respecté. Bon, j'en profite pour dire bonjour à Nabi Keita. Bon, et puis, on va parler de Serhou Guirassy dans Poté des Stars. On va un peu dérouler son parcours et tout. Attention, de 14 millions, il passe à une cinquantaine de millions aujourd'hui d'euros, s'il vous plaît. Bon, attends, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que c'est même pas 140 euros? 140 millions. Bon, bref, on va en parler. Et puis, on parlera de Davido. Davido qui, bien sûr, sort des fleurs, hein, pour, bien sûr, applaudir. On va dire Rema, baby, calm down, calm down. On va en parler. Et puis, on parlera aussi de Chris Brown qui pense que même des années après la mort de Michael Jackson, mesdames et messieurs, le roi de la pop, eh bien, Michael Jackson reste encore plus célèbre que Cristiano Ronaldo et Messi. On en parlera, bien sûr, dans cette émission, dans la rubrique Potin. Et puis à 8h, mesdames et messieurs, on aura en direct, avec un peu de chance, puisqu'elle devait rentrer, je crois, normalement, et sur WhatsApp, elle vient de la France, eh bien, elle, c'est Miss Guinée, la deuxième dauphine Miss Guinée-France 2023. Depuis Paris, bon, elle devait rentrer normalement, mais nous allons essayer de la voir par WhatsApp parce qu'elle doit être un peu fatiguée. Elle, bien sûr, nous allons la soutenir, hein, c'est la fille de notre consoeur, la grande Asiba. Elle est candidate à l'élection Miss Guinée 2023, mesdames et messieurs. Et oui, elle, ce sera bien sûr notre charmante Mariamba, première dauphine Miss Guinée France 2023. On viendra parler avec une vidéo à l'appui de son projet qui a été appuyé par monsieur, son excellence, monsieur l'ambassadeur de Guinée en France, qui est venu soutenir Mariamba pour son projet. On vous aurez la vidéo, bien sûr, dans cette émission. Et puis, nous allons parler santé. On parlera, bien sûr, de malnutrition. Oui, c'est de malnutrition. Vous pouvez voir des enfants avec le ventre plus ballonné parce que ça bouffe pas bien, parce que ça se fait pas vacciner, parce que ça mange n'importe quoi. On appelle ça malnutrition. Il y en a qui ont ventre, on dirait, quand on leur dit c'est vert qui est dedans, c'est pas vert. Quand ils voient son ventre, on dirait c'est anaconda qui est dedans. On appelle ça malnutrition, mesdames et messieurs. Bonne arrivée. Et puis le mot du jour, pour les spécialistes là qui nous regardent et qui nous écoutent, même à la radio, vous pouvez essayer dès maintenant, je vais donner le numéro. On va parler aujourd'hui de la bague.
Bon, pardon, attends, je vais choisir un autre doigt parce que là, c'est un manque de respect à tout le monde. Hein, quand je fais ça. Normalement, c'est la bague au main ici. Oui, d'accord. On met la bague au doigt, la bague. Bague Falamade, bague Klidi, Klidi. Ce sont oui, Manega, oui, Fula, oui. Mnara Sama, Iblega B. Bague de mariage, fiançailles, même si c'est pas couti. J'ai appris qu'il y a des gens, hein, il y a des gens quand ils vont se marier, il y a des bagues aujourd'hui au marché, ça coûte 500 francs. Mais quand tu vois la couleur, on dirait oh. Donc, ça peut aller. Quand tu mets ça, ça peut aller. Bref, nous parlerons de tout cela, mesdames et messieurs. Donc, pour ceux qui veulent participer à cette émission, la bague en langue nationale, on vous donne les deux numéros dès maintenant, le 629-95-67-67. Je dis bien le 629-95-67-67. Odé. 612-89-5-89-5 également. Ça, c'est un deuxième numéro. Mesdames, messieurs, installez-vous. Tout à l'heure, on ira avec Météo et Voyage, avec Ibrahim. Et puis, on ira, bien sûr, avec le flash d'information à 7h pile poil avec Adama. Et puis, le flash info, hein, l'info net, on viendra survoler un peu sur les réseaux sociaux, histoire de voir qu'est-ce qui a marqué notre pays, bien sûr, cette dernière 24 heures. Voilà. Et puis, fitness, on en parle à 7h15. Le potin de star, on vous a déjà planté le décor. Astuce bien-être, on va parler de comment faire pour plaire à son propriétaire, son nouveau propriétaire. Surtout quand vous êtes. Et on va parler surtout des étudiants. Ailleurs, il y a des astuces à suivre, un chemin à suivre pour plaire à son nouveau propriétaire. Vous avez quitté la famille, vous avez quitté tout le monde, vous êtes soit à Cancan, à Bokeh, à Labé, un peu partout, et vous voulez loger dans une maison, même si c'est en train de tomber, et bien le nouveau propriétaire, comment faire pour lui plaire? Si vous êtes étudiant, et oui, on s'intéresse à cela aujourd'hui dans Astuces Bien-être. Mesdames, messieurs, assez de blablatage, nous allons partir en musique. Voici tout simplement Rams Zabra, Nepros. Fou de Dieu, vous l'avez déjà eu dans ce studio. Lui, c'est bien sûr Prosper. On y va avec, puis on revient juste après pour étaler le tout. On s'installe. Les fous de Dieu, je veux voir tous les mains en l'air.
Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Les fous de Dieu, je veux voir tous les mains en l'air. Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Dites-nous, est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici là? Et bien sûr, nous étions avec le jeune Prosper. Il est bien sûr dans ce, on va dire de ce, dans ce premier passage, Rams Zabra en futur. Bien sûr, c'est en futur avec lui-même, né Pros, fou de Dieu. C'était le titre, mesdames et messieurs. On ira progressivement. Et puis voilà, dans le scanner aujourd'hui, hein, même si on va en parler juste après le flash. Bonjour Adama. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Je vais très bien. Très très bien. Ouais. Alors, le flash, ce sera dans deux minutes. Mais sachez que on va donner déjà le contenu hein, du scanner aujourd'hui, puisque je vais en parler moi aussi tout à l'heure. Et ben le scanner, on va parler de la convocation de ces DAF, hein, de ces différents DAF, pour aller s'expliquer au palais Mohamed V. Voilà, je crois que le président Demouya s'est dit un peu que vous êtes en train de salir un peu mon image. Il faut que j'essaie de mettre un peu d'ordre dans la maison. Donc du coup, on est en train de voir quelque chose qui risque. Voilà. Donc, on va assister à, on va en parler tout à l'heure dans le scanner. Donnez-moi juste une minute pour que je vous donne le programme. Et bien, voilà, 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 voilà. Et voilà. Donc, on parlera de ça. Et puis, on parlera, bien sûr, de tant de choses. Hein. Il n'y a pas que les DAF hein, qui sont convoqués aujourd'hui, hein, apparemment. Enfin, je vais dire ces jours-ci. C'est chaud. C'est chaud. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Des têtes vont tomber. En tout cas, un va tomber. Un va tomber dans cette affaire. Adam, bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tu vas très bien, tu es sûr? Ouais. Vendredi? Oui, ça va. Adam. On peut verse. La coiffure aussi, hein? Mais... ça, la même, c'est tellement touché comme ça, je sais pas c'est quoi. Bien. Alors, vous êtes bien sûr sur Kavi FM, vous nous écoutez sur la 89.5, ça c'est Kavi, la radio. Et puis voilà, vous êtes sur Statem, vous nous suivez sur le canal 500. Mesdames et messieurs, on va partir pour le premier survol de l'actualité, c'est le flash d'information. Mesdames et messieurs, on s'installe tout de suite, juste après ça. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Docteur Farimba Camara, directeur général de l'hôpital régional de Cancan et d'autres responsables vient d'être déposé à la maison centrale de Cancan. Selon les informations, cette arrestation serait en lien avec la mort suspecte du vice-recteur de l'université de Cancan qui a succombé à la suite d'une intervention chirurgicale à l'hôpital régional de Cancan. Les négociations tripartites autour de la plateforme revendicative du mouvement syndical se sont poursuivies ce jeudi au ministère du Travail et de la fonction publique. Le point relatif à l'augmentation des salaires des travailleurs continue de focaliser les discussions entre le mouvement syndical et le secteur privé représenté par le patronat. Au Sénégal, une nouvelle fois, le mandataire de l'opposant Ousmane Sonko s'est vu refuser la possibilité de récupérer les fiches de collecte de parrainage de la Direction générale des élections, une étape incontournable pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Au monde, la Russie a estimé ce 19 octobre que la décision des États-Unis de bloquer une résolution de l'ONU qui appelait à une pause humanitaire entre le Hamas et l'Israël aura des conséquences monstrueuses en termes de pertes en vue civile. C'est tout pour ce flash. Merci Adama. Merci à beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme j'ai dit hier, la fausse. Moi aussi, j'ai. Oui, c'est ça. T'as pas fait de pote-pote ce matin? Le matin, là. Non. Tu sais, moi, je fais pas ça. Y'a pas quelqu'un pour pote-poter? Y'a personne. T'es sûr? Ben oui. Mais non, on va faire ça ici.
Non. Pourquoi? Je veux pas. Quand était candidat? Non, quand même. Lui, la même, il est toujours premier. Non. Lui, je il est veux toujours premier. Mais pourquoi tu dis candidat? Je connais candidat. Écoute-moi. On va aller dire Kourma. Non. Pouet. Non, c'est bon. Selon moi, ça me dérange pas. Hein. Ça ne dérange pas? Non, ça ne peut pas te déranger. Voilà, tu vois, non. Merci, Adama. Et puis, on va enchaîner avec le programme, avec InfoNet tout à l'heure, mais d'ici là, je vous disais, le programme du scanner à 9h00 avec l'équipe d'Abdallah. On parlera des ministres sous le CNRD qui sont dans le viseur de la CRIEF, mesdames et messieurs. Et oui, il n'y a pas que les DAF, parce que tout à l'heure, je vous parlais des DAF. Eh bien, la gestion de la transition, on parlera aussi des DAF convoqués au palais Mohamed V. Les raisons, ce sera à 9h dans le scanner. Justement, puisqu'on parle des ministres, des DAF et tout, nous, on va partir dans, on va dire dans... Mais il faut net parler bien sûr de ce sujet. Si vous venez à peine d'arriver, on va vous parler de ces... Voilà, moi je vous ai donné des détails, hein, mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont convoqués. Dernière minute donc, tous les DAF convoqués d'urgence au palais Mohamed V. Ouh, ça va chauffer. Abenagman, en tout cas, un va tomber. Alors, leur point focal, leur point de rencontre, bien sûr, et c'est le ministre du budget, avant de prendre le chemin de la présidence. Pour le moment, rien n'a été filtré de cette rencontre, mais je crois que dans le scanner tout à l'heure, 9h, vous aurez beaucoup plus d'informations, parce que les informations filent avec ceux qui s'y intéressent. Voilà, donc, avec le colonel Mamadi Doumbouya, mais il est à rappeler depuis plusieurs semaines maintenant de folles rumeurs d'un grand chambardement, on va dire changement, chamboulement gouvernemental court à travers la ville. Faut-il lier cette rencontre à ces rumeurs? En tout cas, colonel Mamadi Doumbouya veut faire le nettoyage dans la maison. Et puis, à commencer même par en haut là, il paraît que là-bas aussi ça dort pas bien actuellement. Parce qu'il paraît qu'on est en train de chercher un nouveau premier ministre. C'est ce qu'on entend dans les cafés-bars. Hein. Donc, du coup, ça ne dort pas du tout en ce moment. C'est qui est sûr que ce soit là-bas jusqu'en bas, il paraît que ça va changer dans la maison. Bravo, Doumbouya, c'est ce qu'on attend de toi. Quand ça ne va pas, quand le peuple dit non, ça ne va pas, il faut changer. Il faut que des têtes tombent. Voilà, il n'y a pas que... Il y a beaucoup de Guinéens qui sont intelligents aussi, qui peuvent être ministres. Hein. Mm-hmm. Moi, je peux être, pardon, ministre du cabinet. Voilà, c'est-à-dire, je peux m'occuper du WC... Non, quand même. C'est mieux, on t'envoie au pointe-pointe là. Là-bas, c'est mieux, non? Oui, non, oui. Affaires sociales. Affaires sociales. Là-bas, il y a beaucoup de femmes qui viennent se plaindre. Ah bon? Il n'y a pas de soucis. J'ai failli être gynécologue. Hein. On va voter pour toi. Tu vois, non? Kavila. C'est pourquoi j'aime ton affaire. Donc, voilà, les gars, il n'y a pas que les ministres qui ne dorment pas bien en ce moment. Les DAF aussi, hein. C'est-à-dire ceux qui gèrent l'argent là. Merci là-bas. C'est comme ça, le pays doit bouger. Quand ça ne va pas. C'est une façon de dire que le monsieur veut un peu montrer au monde entier et aux Guinéens qu'il sait gérer sa maison. Et que quand les Guinéens se plaignent pour dire que ça ne va pas, eh ben il va essayer de passer au peigne fin. Comment ça se passe dans la maison? Pourvu que ça dure, pourvu que ce soit sincère et pourvu qu'on ait tous les détails. Il ne faut pas seulement faire du tape à l'œil. Voilà. Parce qu'on va suivre ça de très près. Mesdames et messieurs, c'était InfoNet. Merci beaucoup, ma grande, pour t'accompagner. Et bien, nous allons partir avec un titre de kérosène. Tu connais bien kérosène? Pétrole du village. Ouais, est devenu kérosène. Voilà, c'est pour t'accompagner. Et pour tous ceux qui sont dans les taxis en ce moment, ils sont dans les bassins, ils sont dans les... Voilà, ça va aller. Voici kérosène, le titre c'est Azibo. Et puis on revient juste après pour aller avec la météo du jour. Avant de partir, mesdames et messieurs, avec Potin et Fitness. C'est un peu chamboulé ce matin. De la musique.
Eh oui, c'était Kérosène dans Azigbo. S'il y a des bétés qui parmi vous, des bons bétés qui nous regardent en ce moment, qui nous suivent à travers la radio, eh bien voilà, c'était Azigbo dans le titre. C'était Kérosène dans le titre Azigbo. On va partir parler météo ce matin, même si sur Yimbayao, hein, où nous nous trouvons en ce moment, nous sommes à Yimbaya, hein, nous sommes à Yimbaya, Camp Carrefour. Mais chez nous, ici, dans notre zone à Yimbaya, eh bien il fait 43. Il fait 24 degrés, hein, et puis le ciel est très nuageux aujourd'hui à Yimbaya. Hein, j'ai la météo devant moi. C'est pour moi, je connais, hein, pour vous là-bas, là, c'est, chose, c'est Ibrahim qui va vous raconter ça. On appelle ça météo, juste après ça. Météo et voyage sur Kavi Media. Eh oui, on y va directement avec la météo. Ce vendredi 20 octobre 2023. Voilà aujourd'hui les températures, vous remarquerez avec les images que nous avons des températures assez généreuses à des endroits. Il s'agit bien sûr de Mamou, de Labé, qui sont des zones humides en Moyenne-Guinée. Donc vous remarquerez qu'il fera 26 et 27 degrés respectifs, mais aussi à Télémélé. Télémélé, il fera 28 degrés, à Massanta, il fera 29 degrés. Alors profitez du bon temps car le soleil ne va pas perdurer toute la journée. Alors dans ces régions, il fera 27-28 degrés respectifs et il fera plutôt 30 degrés à Conakry. 30 degrés à Conakry, 31 à Boké, 34 à Koundara, 34 aussi à Sigiri, 31 à Kankan, 32 à Kouroussa, 31 à Farana, 30 degrés à Massanta et Kissidougou et pour finir à Zérékoré, il fera 30 degrés. C'est les prévisions du jour. Plus tard le soir, 21 degrés à Zérékoré au lieu de 30 pendant la journée. Et plus tard à Massanta, il fera 21 degrés. À Massanta et Kissidougou, 21 degrés. À Sigiri, il fera 23 degrés. Sigiri, Kankan, Kouroussa, il fera 22 et 23 degrés respectifs. À Farana, il fera 21 degrés. À Labé, il fera 19 degrés carrément. À Labé, à Mamou, à Koundara, il fera 24 degrés. À Télémélé, il fera 21 degrés. À Conakry et Boké, pour finir, il fera 24 et 25 degrés. Avec 25 degrés à Conakry, bien entendu. Voilà, je vous le disais. Profitez du bon temps car le soleil ne perdurera pas toute la journée. Alors j'espère que ces informations vous seront utiles et prenez soin de vous. Bonne journée, on se reprend la semaine prochaine et surtout bon week-end à tous. Au revoir. C'était Ibrahim que vous avez trouvé tout à l'heure dans un météo, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que le mot du jour, c'est la bague. Bague, mimbla, la mamborola. Hein? Oh, les photos, c'est ça. À 7h40 et quelques, on va essayer de vous demander de nous donner le nom de la bague en langue nationale, mesdames et messieurs. Et bien voilà, c'est comme ça. Le mot du jour, c'est la bague. Et puis, notre invité sera Miss Ba. Elle est deuxième dauphine Miss Guinée France. Elle est candidate à Miss Guinée 2023. Elle viendra parler de son projet. Puis, elle a été appuyée par l'ambassadeur, son excellence monsieur l'ambassadeur de Guinée bien sûr en France. Nous l'aurons avec un peu de chance en direct via WhatsApp, mesdames et messieurs. Oui, parce que je dis toujours un peu de chance parce que les dieux de la téléphonie et de la technique aussi, hein, ça peut jouer. Donc voilà, nous allons partir en salle de sport, hein, où bien sûr Ibrahim nous attend en direct. Hier on était avec notre amie, hein, la chinoise. Je ne sais pas avec qui il est aujourd'hui, mais puisque ce matin je suis monté, je ne sais pas qui est venu après moi en bas, ben on va essayer de découvrir, certainement qu'il est seul. Mais en tout cas, on a aimé beaucoup le passage de Miss Shiny hier. Ouais, c'était Dorian, hein? Mais non, autant pour moi, ça c'est la femme de Doumouya. Bon, d'accord, je ne me rappelle pas. C'est qui est-ce, merci beaucoup. Allez, fitness, on en parle ce matin, on s'installe, puis on revient juste après pour parler potent de stars. Info sur Kavi Media. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de ce matin. C'est toujours Fitness Morning que vous avez tous les matins dans la matinale Kavi Concoré de 5 minutes. C'est une routine matinale qu'on fait d'habitude au réveil pour vous permettre d'avoir du punch pour toute la semaine, pourquoi pas pour toute la journée. Donc voilà, aujourd'hui vous remarquez qu'on a des petits ballons juste devant nous. Ne vous inquiétez pas, c'est tellement grave. Si vous n'avez pas les ballons, essayez d'avoir un solide en main, que ce soit un sac, un sac à dos, que ce soit une bouteille de mayonnaise ou n'importe quel solide. C'est juste pour vous permettre de garder l'équilibre. Alors on va commencer par les étirements comme on le fait déjà. D'habitude, on va faire des étirements avec ces ballons dont vous voyez tout à l'heure.
Alors, que vous soyez au bureau, que vous soyez à la maison, que vous soyez dans une salle, c'est praticable partout. C'est pour cela que les exercices sont très faciles. On va déjà commencer, Ariel. On va prendre ce ballon qu'on va juste tenir devant. On va le tendre. Donc, si vous avez le ballon, faites-le. Si vous avez votre sac, prenez un sac. Si vous avez une valise, prenez la valise. Si vous avez une boîte de mayonnaise, prenez-la. Gardez comme ça pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire le second mouvement qu'on va envoyer à droite. Alors, en faisant ça, vous ne tournez pas. Vous restez là, c'est juste la main qui tourne. Voilà. Alors, ça paraît très facile, mais vous sentez déjà au niveau du ventre qui allait. Donc, on va garder cette position. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, tournez carrément. On va changer de position. On va envoyer vers la droite. C'est-à-dire, on saisit le solide et on tourne carrément. On fait une rotation vers la droite tout en gardant le regard devant vous. Alors, c'est ça l'objectif de l'exercice. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va ramener en l'air. On va tenir le solide et on va lever les mains en l'air. On va garder cette position. 1, 2, 3. Alors, il faut remarquer que ça travaille les épaules. Déjà, moi, j'ai les mains qui commencent à trembler. Ça va. 4, 5. Voilà, c'était les étirements pour commencer. On va se débarrasser de ces ballons et on va faire des mouvements d'abdominaux pour travailler tout le corps entier. D'accord ? Alors, le prochain exercice, on va faire la planche. Cette fois-ci, la planche, pas avec la paume de la main, mais plutôt avec le coude. Alors, on va essayer d'utiliser le coude pour nous servir de support tout en gardant le regard devant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la planche, ceux qui sont à la radio, c'est un exercice qui vous permet de vous coucher sur le ventre en vous relevant grâce à la paume de la main. Mais sauf que cette fois-ci, c'est le coude qu'on utilise. C'est ce qu'on appelle la planche. Alors, on va garder cette position 5 secondes. Et on va changer après. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. On va remplacer le coude par la paume. On regarde devant. On va compter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est bon. On ne va pas être très intense. C'est un matin. C'est le début. Vous aurez les exercices complets dans l'émission fitness qui sera plus actif dans les prochains jours. D'accord ? On va faire du jumping jack qui va nous réveiller. C'est un exercice qui demande beaucoup de souffle, beaucoup d'activité. Alors, jumping jack, Ariel, on va écarter les pieds et les mains dans le sens opposé. Alors, lorsque vous écartez les mains, vous écartez les pieds en même temps. Vous rejoignez, je vais expliquer plus facilement, Ariel, ça consiste à faire ça, d'accord ? Alors, ça là, ça veut dire quoi ? Lorsque vous écartez les pieds en saut, essayez de joindre les mains en l'air. Alors, lorsque les pieds se rejoignent au même niveau en bas, vous descendez les mains, c'est très simple, ok ? On y va, on va faire à 10 répétitions, d'accord ? Ça s'appelle le jumping jack, 1, 2, 3, on va faire 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour finir, 10. Voilà, c'était le jumping jack. On va se reposer juste 2 secondes pour vous permettre d'aborder le prochain exercice qui sera encore plus actif. Vu que c'est un début de matin, le corps n'est pas encore réveillé. On va se limiter à ce dernier exercice qui consiste à sautiller, mais dans un autre sens. Alors, restez en position debout. Je vais me mettre de profil pour vous permettre de mieux comprendre. D'accord ? Alors, j'explique. Ça, vous avancez le pied droit devant et le pied gauche, vous le laissez derrière. Alors, l'objectif, c'est d'interpréter les deux pas, mais en sautillant. D'accord ? Donc, vous revenez. On fait comme ça. On va faire à 10 répétitions. D'accord ? On va garder la main sur la nuque et on va faire le mouvement. Alors, j'explique pour ceux qui sont à la radio. Ça consiste à prendre une position debout initiale. Vous envoyez le pied droit devant, vous gardez le pied gauche derrière et en sautant, vous interférez les deux pieds. C'est-à-dire, si c'est le pied droit qui était devant, le pied gauche vient rejoindre le pied droit et le pied droit rejoint le pied gauche derrière. Mais en le faisant, vous gardez les mains derrière la nuque, carrément. D'accord ? Alors, on va aller à 10 répétitions. Ariel, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous en compagnie de ma coach sportive. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Début de journée, début d'une matinée qui promet long, qui promet d'être très longue. Donc voilà, avec ces exercices, je vous promets que vous n'aurez pas de soucis. Alors, un petit conseil concernant les petits exercices qu'on fait les matins, n'oubliez pas de vous hydrater. C'est un petit conseil qui pourra vous servir. Hydratez-vous au maximum, mangez beaucoup des aliments sains et ça devrait aller. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on va se retrouver dans de prochaines éditions, dans de prochains numéros de Fitness Morning, en attendant que l'émission ne soit toute prête, ce qui est déjà en téléchargement. Alors, merci de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir. Au revoir et bonne journée. Merci Ariel. Merci. Donc, c'était ça. Elle s'appelle Ariel. Oui, merci à Ariel, notre chinoise, notre belle chinoise qui accompagne Ibrahim. Je vois pourquoi il y a beaucoup plus de motivation chez le petit là, ces jours-ci. Hein. Voilà, maintenant là même, avant, je crois, fitness, ça faisait combien même de temps? Ça faisait. fitness faisait, je crois, 5 minutes. Maintenant, là, on va dans 7 minutes, 10 minutes. Petit là, hein. Bon, Ariel, il faut continuer comme ça avec Ibrahim. Hein. Bon, nous, de toute façon, nous tous, on va venir en salle de sport si tu viens tous les jours. Hein? Moi, je vais venir, tout le monde va venir, puis on va faire sport. sport. Voilà, on va faire étirement, on va faire durcissement facial et puis facial. Ne t'inquiète pas, hein, ma grande, merci. Quand tu connais durcissement facial, c'est pour durcir les fesses. Elle nous a confirmé, bien sûr, qu'elle sera en ligne. Elle, c'est Miss Bah. Deuxième dauphine, Miss France, Miss Guinée-France 2023. Candidate à Miss Guinée, on va dire 2023. Et puis voilà, elle sera en direct. Et puis, on va parler de son projet qui est appuyé par l'ambassade de Guinée en France. Et puis, ce sera tout à l'heure. Ce sera le 25 novembre 2023. Hein, le Miss Guinée 2023. Voilà, ce sera le 25 novembre. Merci beaucoup à Miss hein, qui nous fascine. Nous, on va parler potin de stars. Actuellement, nous avons trois en liste. Juste après ça, on en parle. Potin de stars sur Kavi Media. Potin de stars, bonne arrivée. On va commencer avec Davido. Oui, Davido qui jette des fleurs. Hein, qui jette des fleurs à Rema, carrément. Hein, vous connaissez Rema. Baby, calm down, calm down. Eh bien, Davido qui dit, je cite, je n'ai jamais cru qu'un artiste africain pouvait avoir la chanson numéro 1 en Amérique. On va partir avec cette photo de Davido et bien sûr cette déclaration. Hein, c'est pour ceux qui sont à la télé. Vous nous suivez également. Pendant 8 mois, et oui, on reste avec l'image. Pendant 8 mois d'affilée, ça m'a fait croire que tant que ce que tu fais est bon, les gens écouteront. Voilà, les gens écouteront. Cela pourrait prendre du temps, mais ça arrivera. Voilà, c'était Davido. Voilà, j'aurais aimé qu'on reste avec cette image pour permettre bien sûr aux téléspectateurs de lire ce que je dis. Merci. Mais on va partir avec le deuxième potin. C'est bien sûr Serro Girassi. On va en parler tout à l'heure pour terminer parce que je vais revenir un peu hein, sur son parcours. Enfin, je vais vous dire qui est Serro Girassi. Eh bien, c'est une vraie valeur marchande en ce qui concerne le football aujourd'hui. Eh bien, passé de 14 millions d'euros, il est aujourd'hui à 40 millions d'euros, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est la Guinée de Serro Girassi hein, qui gagne. On en parlera tout à l'heure, à la fin de ces potins. Eh bien, on va parler de Chris Brown. Qui pense, mesdames et messieurs, eh oui, Chris Brown pense que et Cristiano Ronaldo et Messi, dont on parle tous les jours, Messi, Ronaldo. Et bien les deux là réunis
n'approche même pas la cheville de Michael Jackson. Eh bien oui, il dit à son avis, hein, Chris Brown, l'ex de Rihanna, dit à mon avis, à mon humble avis, eh bien, en termes d'être connu dans le monde entier, Cristiano Ronaldo et Messi ne font pas le poids face au roi de la pop, Michael Jackson. Eh bien oui, quand bien même qu'il est déjà mort. Je sais que ça va faire parler, c'est mon avis en tout cas. Eh bien oui, je suis d'accord avec lui. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis d'accord. Parce que Michael Jackson, quand on rentre dans son palmarès, quand on... il y a des filles qui mouraient carrément quand elles voyaient Michael Jackson. Dès qu'il monte sur scène, il y a une fille qui tombe. Donc s'il fait un deuxième « ow » aussi, s'il continue toute la journée, c'est toutes les filles qui vont tomber sur la scène. Alors que Cristiano Ronaldo, oui, après t'as dit « ouais », mais après, c'est fini. Mais si, bon, le Courtois là, lui... Ouais, c'est vrai que je ne suis pas Barça. Donc, je ne suis même pas... Il est parti... Bon, moi, je suis Cristiano Ronaldo. Mais il faut de la vérité. Le gars, il est resté... Michael Jackson reste toujours, hein, quand on regarde. En fait, voilà. Quand on regarde bien en termes de popularité, eh bien, Cristiano Ronaldo, c'est vrai. Messi, c'est vrai. Mais pour ceux qui ont connu Michael Jackson, on ne peut pas... Il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match. C'est un 10, il reste un numéro 10 et il reste toujours, même s'il est mort, il reste toujours. Parce que son palmarès, il est long. Voilà, donc ça c'est Chris Brown qui en parlait. Mais puisqu'on parle pourtant de stars, et on va terminer avec notre Serro Guirassy, mesdames et messieurs. Eh bien oui, hein, ce joueur guinéen qui a rejoint, hein, le 11 national, hein, pour bien sûr la Coupe d'Afrique, la CAN, hein, c'est lui qui est là, Serro Guirassy. Il est classé aujourd'hui numéro 1. Hein, dans la Bundesliga, c'est le championnat allemand. Et bien sûr, il est numéro 1 devant beaucoup de joueurs européens aujourd'hui. Voilà. Et voilà, nous allons parler de lui pour essayer de permettre à tout le monde de savoir quel est le parcours de notre international guinéen. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, hein, il a rejoint déjà l'équipe. Hein, eh bien, c'est un monstre de filet, un monstre. Et quand on parle d'un joueur comme ça, ça fait la fierté de la Guinée, surtout que ça vient de la Guinée. Serro Guirassy, si vous voulez, Serro Guirassy, mais ça c'est Serro, en bon sous-sous, Serro Guirassy. Eh bien, voilà, il est en équipe au Stuttgart, Werder de Bremen, hein, c'est en Allemagne, Dösch, voilà, chez le Dösch. Il porte le numéro 9 dans cette équipe allemande. Eh bien, de son vrai nom, c'est Serro Yadali Guirassy. Voilà, il est de nationalité guinéenne et français, donc franco-guinéen. Bon, si vous voulez, il a préféré jouer pour l'équipe de Guinée. Alors, il est sportif guinéen. Il est né le 12 mars 1996. Donc, quand on fait le calcul, c'est entre 27 et 28 ans aujourd'hui. Voilà, et c'est à Arles, en France. Il est né en France, hein, mais il a préféré jouer pour la Guinée. Voilà, et lors de la sortie contre le Gabon, et bien c'est lui qui a marqué le but, le premier but, et puis voilà, les Gabonais ont égalisé après. Ça, on va en parler après. Hein. La section sport est là pour vous donner tous ces détails. Mais on va parler de l'homme. Quand on parle de star dans Actu, potin des stars, on ne peut pas parler aujourd'hui de star sans parler de Serro Guirassy qui fait la fierté du rouge et vert aujourd'hui. Et bien, on va dire tout simplement, il a fait l'USM Montargi, il a fait A3 Amélie, USM Montargi. Jusqu'en 2014, il était au stade Lavallois. Et puis, son parcours senior. Hein, ça c'était au junior, son parcours de 2013-2015, il était au stade Lavallois, hein, et puis jusqu'en 2023, il est aujourd'hui au Werder de Bremen Stuttgart, mesdames et messieurs, voilà. Sélection en équipe nationale, eh ben, il a joué à l'âge de 16 ans pour l'équipe de France en 2012, hein, voilà, et à l'âge de 19 ans, il a joué pour l'équipe de France, on va dire 2014-2015. Il a joué à l'âge de 20 ans pour l'équipe de France de 2015 à 2016. Et il a choisi en 2022 de jouer pour son pays, la Guinée. Il a décidé de rentrer jouer pour nous et il fait la fierté, mesdames et messieurs. Compétition officielle nationale et internationale, match officiel amicaux, validé par la FIFA, compris tout ça, c'est ce que je viens de vous citer. Alors, Serro Guirassy, né le 12 mars. Alors, rapidement sur sa biographie en une minute, parce que ça fait plaisir. Hein.
Serge Guirassy est né le 12 mars 1996 à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. On est en France. Il est né en France. Hein. Voilà. Donc, il a grandi dans le quartier de Choton, à Montargis. Il commence la pratique du football à l'USM Montargis, je vous l'ai dit tout à l'heure, puis à la J3 d'Amélie, deux clubs de Lorraine, tout ça en France. Hein. Il évolue alternativement dans les deux clubs jusqu'à la catégorie des moins de 15 ans. En 2011, avec Amélie, il marque une quarantaine de buts en championnat des moins de 15 ans DH. Après un test fructueux, on va dire infructueux, hein. La J-Auxerre, il est repéré par le stade Lavallois. Le club, on va dire, mayennais l'engage à l'issue de deux périodes d'essai. Sa formation au stade Lavallois dans ses premières saisons au centre de formation, il devient international U16. La saison suivante, sa progression est freinée par une blessure au ménisque. Mais il impressionne en U17 nationaux avec 12 buts et 3 passes décisives en 14 matchs avant d'inscrire un but par match en U19. Mesdames et messieurs, en juillet 2013, il termine 3e au tournoi de Ploufragan, voilà, avec le stade Lavallois. On est en France. Il signe son premier contrat professionnel en septembre 2013 et devient le plus jeune pro de l'histoire de stade Lavallois en France. En octobre 2013, un peu plus de 2 ans après son arrivée à Laval, il fait ses débuts professionnels lors d'un match disputé face à Havre AC en Ligue 2, au cours duquel il remplace Amara Babi. Voilà, durant la saison 2013-2014, il dispute 3 autres matchs professionnels avec l'équipe première à Lavalloise en Ligue 2, toujours en tant que remplaçant. Intégrant bien sûr définitivement le groupe pro en 2014, il s'impose progressivement comme titulaire au sein de l'attaque mayennaise. Le 6 décembre 2014, Serge Guirassy marque son premier but professionnel. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, on va dire que progressivement, il a décidé, le 20 juillet 2016, il est transféré au FC Cologne pour un montant estimé à 6 millions d'euros. Il allait de rien. Bon, c'est vrai que 6 millions d'euros aujourd'hui, c'est de l'argent chez nous, mais il allait de rien. 6 millions d'euros pour commencer, il connaît une première saison difficile avec aucune titularisation. Et puis, comme ça, petit à petit, retour en Ligue 1 à Amiens. Et puis, voilà, il revient petit à petit au stade Rennais, il revient au FB Stuttgart. Parlons-en. Il est le 1er septembre 2022. Guirassy est prêté au VFB, hein, on va de Werder de Brême, Stuttgart, par le stade Rennais FC avec une option d'achat. Il inscrit son premier but le 10 septembre face au Bayern Munich. Après une saison à Stuttgart, le club, on va dire Stuttgart, lève l'option d'achat de 9 millions d'euros pour un contrat jusqu'en 2026. Ben voilà, c'est en 2012 à 2016 que Serge Guirassy porte 24 fois le maillot des équipes de France, hein, jeune, et inscrit 11 buts. Donc finalement, il a décidé de venir jouer pour son pays, la Guinée, et il est aujourd'hui au top, au numéro 1 du top, on va dire du top 5 des meilleurs, devant Haaland, devant Mbappé, devant tout ce que vous connaissez, mesdames et messieurs, les meilleurs buteurs du championnat français. Eh bien, nous sommes en rouge et vert, fiers de toi, champion, t'es un monstre. Alors, pour terminer rapidement, pourquoi est-ce que je prends tout ce temps? Parce que quand on parle de rouge et vert, j'ai le cœur qui palpite, hein, ici. Voilà, la main sur le palpitant, je dis bravo, champion. Alors, quand on a quelqu'un comme ça dans l'équipe de France, l'équipe de Guinée, et puis les gens sont là, quand vous avez vu Messi à Barça, eh bien, toute l'équipe jouait pour Messi. On cherchait le ballon, on vient, on donne à Messi, il faut marquer. Alors que le gars, il est construit pour ça. Il est né pour marquer. Il a été conçu pour marquer. Le but, là, ce n'est rien. C'est-à-dire quand il arrive devant le poteau, il ne voit même pas le gardien. Il met. Quelqu'un comme ça, là, qu'est-ce que nous devons faire? On doit faire comme les autres, là. On cherche ballon, c'est-à-dire défense, gardien, défense, milieu, tout. On cherche, on dit, Guirassy marque, il va marquer. Et puis nous, on va derrière, on va protéger derrière. On vient, on tourne encore, on cherche, on dit, Guirassy, tiens, va marquer. Même si on a les autres et tout, mais tout le monde devrait se rassembler derrière Guirassy. Voilà. Aujourd'hui, on est très content d'avoir l'arrivée du petit Monglaï. Sinon, moi-même, c'était pas bon. Bref, c'était Potin de Star. On a pris assez de temps, oui, parce qu'on parle du rouge et vert, c'est très important. Installez-vous confortablement, on va marquer une courte pause et puis on viendra parler astuces bien-être. On va partir avec la bonne musique. Voici Goulam, le tout dernier, et on parle de mariage. Ta main pour tous ceux ou toutes celles qui sont en instance de mariage. Je vous dédie ce titre. À tout à l'heure.
t'ai attendu toute ma vie. Tu as hanté toutes mes nuits. T'es l'unique femme qui m'a séduit. Tu vas changer toute ma vie. Je nous vois bientôt unis. Vêtu en blanc devant nos familles. Je veux ta main, yeah. Je veux ta main, yeah. Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Je veux ta main, yeah. Je veux ta main, bébé. Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Je vois ton sourire, je pourrais le contempler toute ma vie. Ton regard m'a tout dit. Je sais déjà que tu me diras oui. Je veux te chérir. Prends soin de toi jusqu'à l'infini. Oh que t'es jolie. Je t'aime à la folie. Si je te perds, je deviendrai fou. Je ne veux que toi, mon amour. Dis-leur encore que tu m'aimes. Dis-leur encore que tu m'aimes. Je ferai face à tous les jaloux. Je me rendrai sourd et je leur dirai que je t'aime. Je leur dirai que je t'aime. Je t'ai attendu toute ma vie. Tu as hanté toutes mes nuits. T'es l'unique femme qui m'a séduit. Tu vas changer toute ma vie. Je nous vois bientôt unis. Vêtu en blanc devant nos familles. Je veux ta main, yeah. Je veux ta main, yeah. Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Je veux ta main, yeah. Je veux ta main, bébé. Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Baby, you know I love you. Ce soir il n'y aura que nous deux. Je te dirai des mots doux. Je te ferai des bisous, chérie. On s'est donné rendez-vous, baby, pour une vie remplie d'amour. Catherine m'y aime ou trop fort, c'est à moi qu'arrivait Frédéo. Oh, donne-moi un enfant, je l'attends depuis trop longtemps. J'espère qu'il te ressemblera, tu seras la plus belle des mamans. Goulam, la poule aux œufs d'or du zouk. Et si vous voulez, non, pas du zouk, on va dire de la musique love, afro love, si vous voulez. En ce moment, hein, on a vu les Medicoustos dans du zouk pur et dur love. On a Goulam qui, lui, en tout cas, qui fait chavirer des cœurs avec sa voix, avec ce lead vocal, avec ses thèmes. Ta main, hein, c'est le tout dernier, en tout cas, pour essayer de. Bon, je sais pas, c'est pour ceux qui essaient tout simplement de se marier en ce moment, je vous dédie ce son. Parce que c'est très beau l'amour, c'est très beau le mariage. Hein, ta main, quand on demande une main, c'est pas facile. Hein. Même si chez nous, c'est devenu du commerce aujourd'hui. Allez, nous allons parler astuces bien-être juste après ça, mesdames et messieurs. On s'installe. Bien-être sur Kavi Media. C'est devenu un véritable casse-tête aujourd'hui pour avoir une maison à louer. C'est-à-dire, vous allez dans une cour, vous voyez le propriétaire, il vous regarde, d'après mon ami, de tête aux pieds. C'est-à-dire, de la tête aux pieds, des orteils jusqu'aux derniers cheveux. Il essaie de vous analyser, vous passez au scanner pour savoir qui tu es de quelle famille, tu es de quelle ethnie, si tu es marié, si tu es célibataire, bref. À peine s'il n'a pas vu, il n'a pas demandé ta carte d'identité nationale, quoi, en fait. Alors, comment plaire à votre propriétaire, à votre proprio? Même s'il y a une fille qui m'a dit, le gars, il m'a demandé de coucher avec lui avant. J'ai dit non. Eh oui, tout ça, ça arrive. Hein. Bon, je ne rentre pas dans ça. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux étudiants. Eh oui, les étudiants, les nouveaux, ils viennent de rentrer, ils viennent de reprendre les cours, hein, les étudiants. Que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays, forcément, vous êtes confrontés à ce problème de logement. Donc du coup, soit on vous envoie chez des parents, chez des amis. Mais pour ceux qui ont un peu de sous, ou bien les parents ont les sous, on vous demande de prendre carrément entrée couchée ou bien un endroit où vous pouvez payer. Mais comment plaire à son nouveau propriétaire, c'est ça? En tant qu'étudiant aujourd'hui, je ne parle pas de nous là, nous on connaît. Propriétaire, tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu laisses. C'est mon argent, je donne. Voilà.
Tu n'as pas besoin de savoir si je suis marié ou pas. Voilà, tu n'es pas, voilà. Tu donnes ta maison ou bien tu es devenu inspecteur. Bref, mais pour les étudiants, on va en parler ce matin. Alors, logement étudiant. Comment plaire à son futur propriétaire? That is the question. On le sait tous, trouver un logement étudiant est toujours compliqué. Hein, selon les villes et selon les endroits, selon les villes étudiantes, quand je dis villes étudiantes, ce sont les villes, surtout par exemple en Guinée où il y a des universités, où on a délocalisé des universités, on appelle ça les villes étudiantes. Hein. Donc les biens proposés à la location sont moins nombreux que le nombre de futurs locataires. Alors la demande étant nettement supérieure à l'offre, les propriétaires choisissent librement leur locataire idéal. C'est eux qui choisissent. Selon des critères bien précis. C'est pourquoi il est important pour toi, étudiant qui me regarde ou qui m'écoute, de savoir exactement comment plaire à son futur propriétaire. Nous allons commencer. Tout d'abord, si tu es nouveau, tu es étudiant, tu veux une maison, tu veux entrer coucher, entrer dormir, entrer pisser, c'est toi qui connais. Parce qu'il y a des locaux comme ça, là, c'est pire que des prisons, des cellules. Mais ça existe à Conakry. Pourvu que tu dors, puis le matin, tu dors, mais puis le matin, tu es dehors. Mais quand vous êtes à l'intérieur, comme ici, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à son proprio? Il faut soigner tout d'abord son premier contact avec le propriétaire de logement étudiant. Il faut soigner le premier contact avec votre nouveau proprio. Alors, pour mettre le propriétaire dans ta poche, tu devras soigner le premier contact que tu auras avec lui. Cela donne déjà une image bien définie que tu es et potentiellement quel type de locataire tu pourrais être. Si tu es tombé sur une annonce à la location sur Internet, tu pourras prendre contact avec le propriétaire du bien de deux manières. Premièrement, il faut plaire à son propriétaire, il faut soigner son premier contact. Soit par téléphone, le propriétaire de l'annonce a laissé son numéro de téléphone dans l'annonce, d'accord. Téléphone-lui directement, mais attention, il faudra que tu sois vigilant et que tu veilles au respect de certaines règles. Si tu souhaites appeler le propriétaire, fais-le seulement dans les heures dites ouvrables. S'il est occupé, s'il est couché, il est fatigué, forcément il ne va pas vous recevoir ou il va dire que vous lui manquez de respect parce que vous n'avez pas respecté son sommeil ou son travail. Donc faites-le à des heures ouvrables ou on va dire libres, à savoir pas trop tôt le matin ni trop tard le soir et de préférence pas le week-end. Hein. Même si chez nous ici c'est le week-end les gars, ils sont un peu, même si la maman c'est après vers les dimanches, le mariage et tout, mais si tu veux appeler le propriétaire, bon, il y a des heures. Toutefois, certains propriétaires donnent des heures auxquelles tu pourras les joindre. Donc demandez-lui à quelle heure je peux vous appeler pour qu'on puisse parler, parce que lui il n'est pas là. Tu as vu l'annonce sur internet, donc tu peux lui dire à quelle heure on peut discuter calmement à tête reposée, parce qu'il s'agit de contrat, d'accord. Alors vous avez, si c'est par mail aussi, vous faites pareil. Hein, soyez poli, soyez. Donc il faut marquer son premier passage, son premier contact avec son proprio. Je t'ai dit, c'est un véritable casse-tête, hein, mon gars. Alors, vous pouvez aussi être prêt pour la première visite de l'appartement. Si on vous dit, le démarcheur vous dit, il y a une maison qui est là, il faut déjà que vous soyez prêt financièrement, que vous ayez de l'argent sur vous. Parce que le temps d'aller voir, visiter, non seulement ils vont te prendre 30 000 francs, les frais de visite, je suis en train d'adapter la chose à la situation guinéenne. Hein. On te dit, donne 30 000 francs, tu vas regarder la maison. Le temps de dire, je vais prendre l'argent pour venir, ils ont donné à quelqu'un d'autre. Et oui, c'est comme ça. Le premier qui passe, voilà. Donc, sois prêt pour ta première visite de l'appartement. Plaire à son propriétaire, sois prêt pour ta première visite. Fais attention à ta tenue vestimentaire. Tout ça, ça compte. Hein. Si tu vas tomber sur Eladji qui a au moins 5 filles qui sont voilées, et puis toi tu viens en jean déchiré, je peux dire talk life quoi, et puis le gars il te dit alhamdoulilah, lui nado mané kalati, tu veux quoi, je veux maison chez toi ici, habillé comme ça là avec mes filles qui sont voilées là, y a pas non, faut partir. Donc tout ça compte, il faut soigner votre mode vestimentaire. Imagine vous arrivez chez une vieille femme bien qui a fait l'Europe et tout ça. Vous avez les vieilles femmes qui ont fait l'Europe là, quand elles sont difficiles, mais elles sont compréhensibles souvent. Donc quand vous arrivez, soignez votre apparence et tout, monsieur, on ne sort pas à partir de 22h, je ferme mon portail. Et tout, vous connaissez les règles, mais surtout soignez votre apparence. Peut-être que ça peut dire, il est sérieux, il ne boit pas. Même si vous êtes un gros buveur, vous cachez la chose.
Voilà, vous pouvez vous habiller correctement, vous partez. Mais c'est après, ils vont découvrir que vous êtes un gros buveur. Le reste, c'est vous qui savez. Donc, tout ça, là, ça compte beaucoup hein, pour plaire. Voilà. Donc, ce sont quelques astuces. Vous pouvez apporter aussi avec vous un dossier de location complet pour ceux qui sont dans les règles de l'art et tout. Donc, plaire à son propriétaire, il faut apporter avec vous un dossier de location complet. Alors, qu'est-ce qu'un dossier complet ? Vous êtes très nombreux à être à la recherche d'un logement, c'est pourquoi il est important pour toi de te différencier en arrivant avec un dossier de location déjà complet, c'est-à-dire que tout est dedans. Hein? La location c'est telle, on écrit, à chaque 5 du mois on doit payer, voilà, je dois faire ça, un contrat dûment, voilà, bref. Même si chez nous c'est compliqué. Allez, on est un peu pris par le temps malheureusement, mais sinon j'aurais bien voulu continuer avec vous. Puis la somme d'argent après signature de ton bail et avant l'état des lieux d'entrée, tu devras verser plusieurs sommes, ça c'est clair. Le dépôt de garantie est l'une d'entre elles. Elle correspond généralement à un ou deux mois de loyer sans les charges. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Mais même si aujourd'hui, quand il dit à un proprio, ah, pourtant ils ont dit là-bas que c'est toi, mais ton papa, ton grand-père, c'est lui qui a payé mes briques. Si tu n'en vas pas, 8 mois minimum, il faut dégager. Bref, vous savez comment ça est, comment c'est la location. Hein? En plus, ici, il faut plaire aux nouveaux propriétaires. Ça devient compliqué. Hein? Moi, je plains un peu les filles. Si vous devez arriver, vous avez l'habitude de porter mini-jib comme ça pour aller, pour sortir. Et puis vous, ce jour-là, vous devez porter pagne. Gros pagne comme ça sur la poitrine et tout, gros foulard. Yarama. Et ne sûrement. Galé, ça dépend des propriétaires. Donc il faut bien soigner tout ça. Bref, c'était tout pour astuces. On va partir parler santé. On parle de malnutrition. On va aller tout de suite avec le petit reportage de Zeneb. Et puis on vient parler de bon à savoir. Le mot du jour, la bague, c'est tout à l'heure. Puis notre invité à partir de 8h00, eh ben, elle est déjà au courant et on va la voir par WhatsApp. Il s'agit de la deuxième dauphine Miss Guinée France 2023. C'est Miss Ba. Elle est la fille d'une de nos consoeurs journalistes, Madame Ba. Et puis on en parlera tout à l'heure. Mot de santé, on parle de malnutrition. On va aller directement avec Zeneb et avec ce petit reportage. On revient tout de suite. Se nourrir est un acte complexe, dont le premier rôle est d'apporter de l'énergie aux organes qui en ont besoin pour fonctionner correctement. L'alimentation procure du plaisir grâce à son impact psychologique. Les envies, le système, faim, rassasiement sont autant de facteurs qui influencent ce ressenti. Force est de constater qu'à travers le pays, les aliments sont exposés, une action qui n'est pas sans conséquences pour la santé humaine. Mamadi Noufaya Janvier est un nutritionniste, il nous explique. En effet, les aliments que nous consommons, on ne devait pas avoir de problème après avoir consommé un aliment. Mais aujourd'hui, à travers le monde, il y a jusqu'à 600 millions de personnes qui tombent malades chaque année parce qu'ils ont consommé un aliment contaminé. Et sur ces 600 millions de personnes, il y a jusqu'à 420 000 personnes qui meurent chaque année parce qu'ils ont consommé un aliment contaminé. Donc, vous comprendrez, si l'humanité perd chaque année 420 000 personnes, c'est que cela peut avoir comme fardeau au niveau mondial. Il faut donc interpeller l'État afin de prendre les dispositions pour que les normes que nous sommes en train de parler aujourd'hui soient respectées. Parce que si ces normes sont respectées, ce chiffre-là peut diminuer. Ils sont nombreux, ces Guinéens, qui peuvent se tordre de douleur. Toutefois, après avoir consommé un aliment, même dans un restaurant de luxe, parce que tout simplement, les normes que nous parlons aujourd'hui ne sont pas respectées. Donc, nous interpellons l'État afin qu'il prenne ses responsabilités pour que les normes alimentaires soient respectées, afin que le consommateur final ne se retrouve pas dans un problème d'intoxication alimentaire qui pourrait lui coûter la vie ou encore qui pourrait affecter son travail demain. Parce que si on se tord de douleur aujourd'hui, on fait un vomissement, on fait de la diarrhée, demain on n'ira pas au travail. Donc ça peut coûter cher sur l'économie du pays. Ça c'est un. De l'autre côté, les manipulateurs d'aliments, ils sont nombreux, c'est l'enquête de l'année dernière qui nous a permis de le savoir, ils sont nombreux ceux qui ne savent pas les inconvénients qui sont cachés derrière le fait de laisser un aliment sans le couvrir. Donc, il faut les rappeler que couvrir un aliment, ça protège son
client, mais ça permet aussi à son business d'évoluer. Donc, s'ils ne sont donc pas ceux-là qui veulent donner du poison aux consommateurs, nous les interpellons tout simplement afin de pouvoir couvrir les aliments lorsqu'ils sont en train de les vendre. De l'autre côté, il faut dire, ça c'est vraiment une vérité qu'il faut dire aux consommateurs, si vous trouvez un aliment qui n'est pas couvert, le mieux c'est de se passer et puis se trouver un autre aliment devant. Parce que lorsque nous parlons de responsabilité, on est tous responsables. Le vendeur qui ne couvre pas ses aliments est responsable. Le consommateur qui ne fait pas attention par rapport à ce qu'il est en train d'acheter est également responsable. Donc cette responsabilité, elle est partagée. Quant à l'État, l'État refuse de prendre ses responsabilités afin de rendre beaucoup plus dur, par exemple, certaines pratiques d'hygiène au niveau des restaurants, au niveau des débiteries, au niveau des gargotes ou encore au niveau d'autres. La mauvaise alimentation est source de différentes maladies comme athérome, obésité, hypertension, diabète, cancer, ostéoporose et autres. Sur ce, une alimentation saine et équilibrée est la meilleure selon les spécialistes. Merci à Dr. Terate Else Zenabou. Vous partez acheter du pain, par exemple, chez l'étalagiste. Et puis, vous voyez une femme ou bien une femme qui a essuyé les mauvaises de son enfant comme ça. Et puis, elle jette. Et puis, elle fait ça. Et après, il termine, il est là. Elle soulève comme ça, elle dépose. Il m'en fait. Et puis, elle soulève, elle dépose. Et puis, toi qui es à côté, tu vas acheter du tamis. Tu fais comment? Et c'est ce qu'on nous a, on assiste à ça tous les jours. Quand vous partez acheter du pain, ça a trouvé qu'au moins 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes sont passées avant vous. Ils ont tourné les pains, ils ont déposé. Dieu seul sait où les mains là sont passées. Il y a des mains qui ont fait pouet-pouet. Il y a des mains qui ont fait chrrr. Il y a des mains qui ont... Bon, je ne rentre pas dans tout ça. Hein. Mais on tourne tout ça. Puis toi, tu viens, tu soulèves. Parce qu'il n'y a pas de caméra de surveillance sur les pains. Tu vas à la maison, tu plonges dans ton café, tu manges. Après, tu vas te retrouver avec des microbes. Et puis, on va dire, ouais, c'est comme ça. C'est la vie, c'est Conakry. C'est pas normal. Bref, merci à notre chroniqueuse, Dr. Terate, c'est bien sûr Zeynep Krouma. Nous, on dit bonjour à mon oncle à moi, depuis le port autonome, qui nous suit à travers la radio, la 89.5, qui nous fait un coucou. Lui, c'est Papa Krouma. Hein? Hey, Krouma, moi, je t'ai dit que les Krouma sont mes oncles. Hein? Voilà, donc tu es un oncle. On va diminuer le son de la télé pour éviter l'écho, mais on va en profiter pour dire bonjour à Papa Kourouma du côté de du port autonome. Bonjour, hein? Tu peux nous suivre aussi sur StarTime, le canal 500. Mesdames et messieurs, nous allons partir directement parler du mot du jour, vu qu'on est un peu pris par le temps, et puis pendant 10 minutes, on va vous donner la parole juste après. On revient pour vous parler, bien sûr, invité du jour, Médicile. Le mot du jour, il s'agit de bague, juste après ça, mesdames et messieurs. Sur Kavi Media. Voilà. En gros, je suis un bag. Je suis Yassine Diallo. Un bag. Bag. Un bag. Bag. Moi, c'est Kourouma Ibrahim. Monsieur Kourouma, aujourd'hui, nous sommes sortis c'est pour demander de nous dire quelque chose en langue nationale. Oui. Qu'est-ce qu'on peut appeler la bag? Blague Rassou. C'est un bilan.
Belgrado, eh bien, je sais pas quoi. Ce qui est sûr, on va demander au Malinke Manengake Godi, comment Manyaï. Bon, bref, on va partir avec vous pour confirmer tout ce qui a été dit. Merci, Zeneb. Vous voulez nous appeler pour nous dire comment on appelle la bague au doigt. Si vous voulez écouter les deux qui sont passés, s'ils ont dit la vérité ou pas, vous pouvez nous appeler sur ce numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Pour ceux qui nous suivent à la télé sur Facebook, le 629-95-67-67. Je dis bien le 629-95-67-67. Vous nous appelez et dites-nous comment on appelle la bague en langue nationale, que ce soit en malinké, en soussou, en guerzé, en poula, en landouma, en lélé. Bref, la bague, je vous rappelle un deuxième numéro, c'est le 612-89-5-89-5. Je dis bien, vous avez deux numéros, le 629-95-67-67 ou le 612-89-5-89-5. Vous pouvez nous appeler jusqu'à 8h pile poil, heure à laquelle on va partir avec notre invité via WhatsApp tout à l'heure, Miss Ba. Un tout premier bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? On va très bien, et chez vous madame ou mademoiselle? Bonjour, c'est madame ou mademoiselle? Les demoiselles. Les demoiselles. Comment allez-vous, mademoiselle? C'est votre nom, c'est? Maman, c'est Tenemara. Ah, Tenemara. Alors, la bague, oui, ça tombe bien. On commence avec une femme parce qu'elles aiment bien avoir la bague au doigt. Tenem, tu as une bague au doigt? Non. Ah oui, elle rêve d'avoir une bague au doigt. Quand? Dis-moi. Oui, oui. Ah ben oui, comme toute femme. Alors, comment on appelle la bague au doigt? Tu veux dire ça en quelle langue? En langue malinké. Hi, mangaga. Awa fo ko boloko 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 eni donc il fana ko boloko eni ka ah fana ya ah ibra so ma ka awa m fana bra so ma me akana ka buya di de man ka gbere bankili ya ka fo ko wolete ah wole ya ti awa tene ni ala so na ba di fana di la bagu soro hein awa eh yi kili ke la ka bo mi tu nous appelles d'où? On est avec un autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, Dieu merci, votre nom vous appelez d'où? C'est Michel Kouyvogui depuis Kabelé. Hé, Kouyvogui. Et va sou. Mais où la sou, Michel? Galas à la sou. Michel, avant de partir avec la langue, avec la bague, je voudrais préciser quelque chose. Il y a combien de sortes de tourments? Parce que le tourment, la façon de parler ne se ressemble pas. La langue Touma, il y a plusieurs dedans. Mm-hmm. Il y a Ziolo. Oui, le Ziolo, oui. Il y a le Lugulama. Oui. Il y a Gizema. Oui. Le Ziolo, ça c'est vers Seredou. Ça c'est vers Seredou. Mm-hmm. Ziolo, ça c'est vers Koundé Badou. Ok. Lugulama, ça c'est vers Watanka, venant de Bofosu. Ouais, ma maman vient de Bofosu. Merci là-bas, je confirme. On est d'accord? On est d'accord. Il y a Ouedraga. Mm-hmm. Ça c'est vers le Gouméria. Aïe, donc c'est beaucoup, hein? Ah ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs dedans. Merci. Maintenant, la bague, comment on dit la bague en vrai tourment? Ah, le mari. À la langue Lugulama, mm-hmm. La bague, on s'appelle Baragi. Baragi. Aide. Ah ouais. En vrai Lugulama, on dit Baragi. Baragi, ah ouais, maman non. À Gioro. Mm-hmm. Oui. On dit foulé. Il y a quelqu'un qui souffle à côté là-bas, mais allons tout. Mm-hmm. Foulé. Mm-hmm. D'accord. Oui, j'ai compris. D'accord. C'est... La langue, dites-moi, je sais que je ne connais pas. Ah, c'est bon, tu as dit beaucoup même. C'est déjà beaucoup. Mm-hmm. Même, faut remercier celui qui souffle à côté là. Faut dire merci. Ah, ben bonjour à la maman. Allez, merci. On y va avec un autre auditeur. Voilà, je lui dis bonjour. Allez, 629 95 67 67 612 89 5 89 5. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Il est parti? Oui, il est là. Allô, bonjour. Souvent, il faut attendre le retour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous allez bien? Non, on va très bien. Votre nom, vous appelez d'où? Aïe, hein, il est là, hein. Il est parti. Un autre auditeur, allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur. Ouais, Ikena, go. Ikena, t'en as mouru? T'en as mouru, parce que là, on rafle, on va mourir, ka. Il n'a pas flatté, hein, oui. Kaïwa, et t'as rien dit? En tant que le bangalisme, Tombolia. Eh, Souma Romain, quel fait Tombolia? Souma. Yo. Oui. On est vendredi aujourd'hui, on ment pas, hein.
Ah, bon, vous voulez vraiment dire. Ah ouais. La bague, comment on dit en bon soussou? Merci. Voilà. Ah, Marafa. Issouma. Donc, voilà. Merci là-bas. On va vérifier tout ça. Tomolaké, Bédégré, mon bénin. Allez. On y va avec vous, téléspectateurs. Vous êtes sur StarTime. Vous nous suivez sur le canal 500. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Down, down. Allô? Bien. Votre nom, vous appelez d'où? C'est pas bon. C'est? C'est ma femme, c'est pas bon. Gumu. Oui. Bakale bu agbo ho gbara kere malanda du boda du gbara kere yenwona ma. Gale gumu. Gale bu. Gumu nous appelle d'où? Gala gumu gala tole kilomètre 36. Ah, gumu nous appelle de kilomètre 36. Gumu, comment on dit la bague en guerzé? Bon, ou pas pour d'accord, quoi d'accord, il va d'accord, bon. Bon, ok. Bono. Ah, c'est pourquoi j'attaque Bono Tonyema. Il y a une chanson comme ça de je sais pas de qui. Ok, d'accord. Bono, c'est la bague en guerzé. Ah. D'accord, Emma. Et peuple locatio. Il y a mon peuple locatio. Ok, peuple locatio. Merci, c'est... rappelle-moi ton nom. Gumu nous appelle de Cabrelem, c'est ça, non? Non, 36. 36. Ah, ok. Gumu, je te souhaite un bon vendredi. Merci d'avoir appelé. Tu nous suis à la radio ou bien à la télé? Merci beaucoup, c'est à la télé. Ok, StarTime 500. Bientôt sur le bouquet canal. Merci, Gumu. Au revoir. Merci. Malheureusement, c'est le tout dernier. On aurait bien voulu rester avec vous jusqu'au. On va prendre le tout dernier. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Dieu merci. Et vous, votre nom, vous appelez d'où? C'est Keita Seko. Ikeita. Je suis à Flamadina. Keita Seko nous appelle de Flamadina. Quel côté de Flamadina? Ah, dans ma chambre, le nom de ma chambre s'appelle Babylon City. Ta chambre a un nom. Alors, Keita, t'es le tout dernier. Comment on appelle la bague? Ah, le nom de bague, d'après ce que ma grand-mère m'a dit, que c'est Baki. Mais c'est? Baki. En Maninka, hein, c'est ça, non? Ouais, Manika Kang. Hein, comment? Baki, Baku, y'a qui le la Kang, à continuer. Et, quoi, maman, vous allez qu'à vous venir? T'es vrai, oui, à la gare. Eh, vrai, oui, à la. Merci, Keita. Allez, t'es le tout dernier. Bon week-end à toi et bon vendredi. Hein? Oh, merci aussi. Allez, au revoir. Aussi. Allez, vous nous suivez, bien sûr. Oui, on est ensemble, mon grand. On est ensemble. Je suis aussi du côté de Flamadina, hein, vers le grand terrain. Donc, si tu veux bien, ça me ferait plaisir de te rencontrer depuis sa chambre. Allez, nous sommes, bien sûr, au terme de cette rubrique. Bien sûr, le mot du jour, c'était, bien sûr, bague en langue nationale. Et oui, cette rubrique vous parvient tous les jours jusqu'à 8h pour essayer, bien sûr, de montrer des vrais Guinéens, ceux qui sont allés au village, ceux qui apprennent bien sûr les langues de chez nous comme il faut. Hein, on reste avant tout rouge, jaune, vert, on reste avant tout Guinéen. Mesdames et messieurs, nous allons partir avec le dernier virage de cette émission. Nous allons accueillir dans quelques instants Miss Ba. Elle est deuxième dauphine Miss Guinée France 2023. Elle est candidate à l'élection Miss Nombre. Voilà. Allô, bonjour. Oui, on va prendre la Miss juste après la bande annonce, s'il vous plaît. On en parle. On en parle, ou le thème du jour. Nous sommes en direct, dernier virage de cette émission ton vendredi 20 octobre 2023. Je sais qu'elle est très fatiguée puisque elle a quitté la France. Hein. J'espère qu'elle est chez nous pays. Bonjour Miss Ba, Mariam. Elle est là? Allô, bonjour.
Voilà, le temps, c'est Mariam Ba, première dauphine Miss Guinée France 2023. Elle vient pour nous parler de son projet, surtout, hein, on va dire, un projet sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle a été reçue par son excellence, monsieur l'ambassadeur de France, de Guinée en France, en tout cas, lui a rendu visite pour soutenir ce projet. On aura une petite vidéo qu'on va vous proposer tout à l'heure. Je sais qu'elle est, on essaie de la mettre en ligne carrément, directement, et puis voilà, nous allons partir avec elle dans quelques instants. Vous avez ces images pour ceux qui sont sur StatM, le canal 500, pour ceux qui sont sur notre page Facebook, groupe Kavi Media. Allô, bonjour Miss. D'accord, allô, bonjour. C'est via WhatsApp, hein, le réseau, hein, donc soyez patients. D'ici là, nous, on va, si la petite vidéo sur ce projet, justement, est déjà disponible, on va partir avec cette vidéo pour planter le décor, puis on revient partir avec, pour repartir avec Miss Ball, le temps, bien sûr, de mettre de l'ordre dans tout cela, voilà. Pendant moins de 30 minutes, on va essayer d'en savoir plus sur ce projet et aussi sur sa participation à l'élection Miss, on va dire Miss Guinée, est prévue le 25 novembre 2023. Alors, donc, c'est le mois prochain, 25 novembre. Voilà, donc c'est très proche. On va en parler également. Et puis, justement, on va aller avec cette petite vidéo. Maintenant, puis on revient juste avec Miss. Allô, bonjour. Oui, bonjour, la Team Kavi Media. Voilà, merci beaucoup. Ça a été difficile, compliqué de vous joindre. Qu'est-ce qui va passer? WhatsApp qui ne veut pas. comment va Miss Ba? C'est un peu compliqué. Bah, écoutez, déjà, merci beaucoup de me recevoir dans cette émission. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Là, c'est la première interview, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci. Ben oui, c'est comme ça. Ça se passe sur Kavi. Hein. Et puis, ça fait plaisir d'entendre une charmante voix, une charmante belle fille hein, qui va bien sûr participer à l'élection Miss France. Ce sera le 25 novembre, c'est bien ça? C'est ça, à l'élection de Miss Guinée 2023 qui aura lieu le 25 novembre à Conakry. À Conakry. Alors déjà, il faut noter que... On va se tutoyer, hein. Bon, on a déjà commencé. Déjà, il faut noter que, que tu es la première dauphine Miss Guinée France 2023. Comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Alors, je suis la première dauphine de Miss Guinée France 2023. Et donc, pour la première fois, la diaspora guinéenne de France va participer à l'élection de Miss Guinée. Et j'ai l'honneur de les représenter à ce concours national. Donc, je suis vraiment très, très, très contente d'être ici en Guinée. Et ça fait vraiment plaisir d'être chez soi, en fait. Bien, ça fait plaisir. Alors, le voyage, ça s'est bien passé parce que tu devais rentrer hier, c'est ça? C'est ça, je suis arrivée hier nuit, disons. Donc, fatigué. Là, c'est mes premiers pas. Un peu, mais ça va. Ça va. Bon, il y a la famille, on a vu tout le monde et tout. Alors, comment ça s'est passé l'accueil, le retour en famille, au pays et tout ça? Comment ça se passe? Surtout qu'il y a une grande édition qui se prépare. Hein. C'est ça. Alors, vraiment, j'ai eu un accueil chaleureux. J'étais vraiment très, très, très contente et très surprise. Parce que hier, quand je suis arrivée, il y avait un fan club qui était là, il y avait ma famille. J'imagine, le comité d'accueil. Donc, c'est ça, il y avait un vrai comité d'accueil qui était présent et ça fait vraiment plaisir. Et ça me donne la force de tout donner pour le 25 novembre. Bien. Alors, on va parler du 25 novembre, mais on va parler également et surtout hein, de ton projet, l'inclusion des personnes en situation de handicap. On va parler, tu vas rester en ligne avec nous. On va partir juste avec cette petite vidéo. Je crois que tu as été reçu ou bien tu as reçu monsieur l'ambassadeur, son excellence monsieur l'ambassadeur de Guinée en France, c'est bien ça? C'est ça, j'ai été reçu par monsieur l'ambassadeur de Guinée en France il y a quelques semaines. Donc je vous laisse alors partager voilà. La vidéo. Alors on va partir avec la vidéo et puis rester avec nous en ligne hein, en direct, c'est parti. Ça marche. Présenter les Guinéens de France à la prochaine édition de Miss Guinée. Donc voilà, pour vous présenter le projet parce que vous êtes le représentant des Guinéens de France. et puis voilà, donc discuter. Monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous? Bien et vous? Bien, merci. Merci de nous recevoir, c'est vraiment un honneur, merci beaucoup. C'est un plaisir aussi pour moi. Symbolique, ça me fait vraiment plaisir que vous nous receviez. Non, c'était pas nécessaire. C'est symbolique, c'est symbolique. Merci beaucoup. D'avoir pensé à moi comme ça. Mais écoutez, c'est nous qui devons vous.
promouvoir, vous faire des cadeaux. En tout cas, ça fait vraiment plaisir que vous nous receviez. C'est vraiment très, très, très gentil. C'est un honneur pour moi et ma visite, c'est vraiment pour vous présenter le projet parce que, en fait, je suis celle qui va représenter les Guinéens de France à la prochaine édition des Miss Guinée. Donc du coup, comme donc moi je suis la première dauphine donc de Miss Guinée France de cette année. D'accord. Et l'objectif de ma candidature, c'est défendre des causes sociales. Donc moi j'ai un projet humanitaire que je défends depuis une année maintenant à travers Miss Guinée France. C'est celle de l'inclusion des personnes en situation de handicap en Guinée. Donc j'ai déjà des entreprises qui m'accompagnent. J'ai l'association des jeunes Guinéens de France. Les idées que vous partagez aujourd'hui, ce sont des choses que nous avons tous en commun. Aider les personnes en difficulté, en situation d'handicap. Mais tout cela, ce sont des réalités qui s'imposent aujourd'hui à notre pays. C'est vrai qu'il y a des structures qui existent et qui s'occupent de ce genre de situation, mais ça ne suffit pas. On a besoin de personnes de bonne volonté, de mécènes, pour justement accompagner ce genre d'initiative. Parce qu'on dit souvent, l'État ne peut pas tout faire. C'est ça. C'est clair. Voilà. Ben, moi, c'est vraiment le message-là que je veux faire passer, c'est de montrer aux Guinéens qu'on a une diaspora forte. Et que même si on est loin de la Guinée, mais qu'on participe au développement socio-économique de notre pays. Que... On est fiers de la diaspora. Hein. Franchement, moi, depuis mon arrivée, 4-5 mois, ce que je vois, la Guinée regorge de talent. Bien sûr. Donc, voilà. Mais tout cela, il faut qu'il y ait une vision politique, dans quelle mesure. Parce que vous portez quelque chose, une image, une voix à Miss France. Miss Guinée, c'est pas... Une Miss, c'est pas n'importe quoi. Hein. En plus d'être belle, intelligente, véhiculer quand même un des message. Idées qui peuvent toucher vraiment le cœur de nos populations. Oui. En tout cas, c'est bien. Merci. Je vois qu'il y a une dynamique quand même assez forte ici en France, oui. au niveau de la jeunesse. On sent que vraiment il y a des talents qui méritent d'être vulgarisés, qui méritent d'être encouragés et soutenus. Je viens de sortir d'une audience avec monsieur l'ambassadeur des Guinéens de France. Je suis vraiment, vraiment ravie de cette rencontre car nous avons pu discuter de mon projet humanitaire, donc, qui est celui de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre pays. J'ai également pu bénéficier de ses précieux conseils pour ma candidature à l'élection de Miss Guinée 2023. Et donc ça a été l'occasion de discuter de mon message que je souhaite faire passer, qui est celui d'une diaspora forte, d'une diaspora unie, d'une diaspora qui œuvre pour le développement socio-économique de notre pays. Et donc ça a vraiment été une rencontre très fructueuse. Bravo Miss, c'est très très bien. Et puis voilà, c'est pas donné à tout le monde d'être reçu par monsieur l'ambassadeur, par l'excellence. Ben, comment ça a été, est-ce que tu as été un peu, comment tu t'es sentie? Franchement, je me suis sentie très chanceuse parce que, comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'être reçu par monsieur l'ambassadeur. Heureusement pour moi. Il a été très impressionné. Hein. Ah, oui, les choses sont faites très naturellement. Il a été impliqué. Dès qu'il a su ma candidature, il a demandé à me recevoir pour qu'on puisse parler de mon projet et puis de ma candidature. Donc, ça s'est vraiment fait très naturellement. Je garde un très beau souvenir. Bien. Alors, c'est un très beau souvenir. Hein. Faut mettre ça dans son palmarès. Alors, on va parler justement de ce projet. Et puis, on viendra parler de ta candidature, que ce soit ici et la candidature deuxième dauphine en France. Ça viendra. Mais on va parler de ce projet, justement. Alors, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pourquoi avoir choisi ce thème, Miss? Alors, pour moi, en fait, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que quand j'étais petite, quand j'étais en Guinée, j'ai toujours été impactée de voir que les personnes en situation d'handicap se retrouvaient, n'avaient pas de ressources, en fait. Ce sont ces personnes qui se retrouvaient parfois dans des conditions très, très misérables et qui se retrouvaient dans les rues en train de mendier, dans les hôpitaux. La petite fille que j'étais était très touchée par ça. Voilà, donc c'était un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, bien avant Miss Guinée France. Donc j'avais commencé à me renseigner avec des associations qui œuvrent dans ce sens en Guinée. C'était un projet que je voulais faire. Et donc grâce à Miss Guinée France, j'ai eu l'opportunité de poursuivre le projet.
avec donc j'ai eu le soutien de l'association des jeunes Guinéens de France. Bien. Qui m'a aidée dans la réalisation du dans la mise en place du projet. Et c'est un projet qui est soutenu aujourd'hui par la GIP. Mmh. Et il y a plusieurs entreprises en Guinée qui sont qui sont intéressées par le projet. Mmh. Et voilà. C'est très touchant. Oups. C'est très touchant de penser à ces personnes là qui sont, ma foi, un peu oublié aujourd'hui, même si on essaye de leur venir en aide. Force de connaître, de reconnaître, hein, et de voir qu'ils sont de plus en plus nombreux, dans les rues, à mendier, à chaque feu, à chaque arrêt de bus. C'est, ça devient compliqué. Il faut faire quelque chose. Et merci en tout cas d'avoir pensé à ce projet. J'espère que tout va aboutir et puis qu'on va t'accompagner comme il faut. Alors, je vais revenir un peu. Alors, il paraît que tu es la fille de notre consoeur, la grande Asiba. Oui, c'est ma maman. Elle est à l'écoute en ce moment. Ah oui, je pense qu'elle doit être là. Elle doit être fière de toi. Elle doit être fière de toi. Pourquoi t'as pas choisi de faire comme maman? Non, on va dire que moi, j'étais plutôt intéressée par les sciences. Mmh. Donc, j'ai fait des études. Oh, cette histoire de sciences. Cette histoire de sciences. Les sciences exactes ou quoi, sociales? J'ai une licence en chimie. Oh, c'est tout pas. Mon Dieu, je voulais pas entendre ça. J'ai horreur de tout ce qui est sciences exactes. Donc, et un master en management, qualité et développement durable, que je viens juste de terminer. Bravo, bravo. Alors aujourd'hui, tu as été, on va dire que tu as été reçu par l'excellence, monsieur l'ambassadeur en France. Il y a la GIP qui t'accompagne. Est-ce qu'il y a d'autres mécènes qui t'accompagnent dans ce projet? Alors oui, comme je l'ai dit, il y a plusieurs ministères aujourd'hui en Guinée qui sont intéressés par le projet. Mmh. Parce que moi, ce que je vis, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mmh. C'est-à-dire, sur le plan professionnel, c'est de faire des partenariats avec les entreprises pour qu'elles puissent embaucher ces personnes malgré leur handicap. Mmh. Parce que la plupart de ces personnes ont des diplômes, ont des talents à promouvoir, donc on puisse en fait leur assurer une source de revenus. Mmh. On a vu cette fille, cette femme, excusez-moi, qui a été, qui est du côté de l'Assemblée, au CNT, hein, qui représente aujourd'hui ces personnes, bon, on va dire comme ça, hein. Je crois que c'est déjà une bonne chose, hein, qu'on ait pensé à faire représenter ces personnes valides de ce côté. Voilà. Bien sûr. Mmh. Bien sûr. Le gouvernement veut vraiment inclure ces personnes, donc moi, ça, c'est un projet qui m'intéressait depuis très très longtemps que je voulais mettre en place. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des... qu'il y a des décisions qui sont prises dans ce sens. Mmh. Bien. Alors, en revenant, avant de parler de... Oui, c'est un projet que nous aussi, on va accompagner avec, avec toi, hein, si tu veux bien, ce Kavi, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, on parle développement dans notre média ici. Hein. Donc, c'est un devoir pour nous. Alors, nous allons parler un peu de cette participation de Miss Guinée, ici, pays, hein, au pays, en tout cas en 2023, le 25 novembre, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et d'ici là, on va repartir en France. Deuxième dauphine, Miss France, Miss Guinée-France. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Première dauphine. Pardon? Première. Ouh, mon Dieu. Première dauphine. Pardon, ma grande. Faut pas me taper dessus. Alors, première dauphine, on va dire Miss. Première dauphine, Miss Guinée-France 2023. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr, Miss Guinée-France, c'était une très belle aventure, c'est quelque chose que je voulais faire depuis toute petite. Mmh. Donc c'était vraiment une belle aventure, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai travaillé très dur pour... Oui, le réseau, vous pouvez voir les images, hein. Vous pouvez voir les images à la télé, puis sont sur notre page Facebook. Et bien sûr, sur, on va dire, StatM Canal 500. Ah là, elle est en ligne. Miss Ba, oui, on parle de cette participation première dauphine Miss Guinée-France. Est-ce qu'on peut donner plus de détails? Vous m'entendez? Oui, alors on a été coupé, momentanément. Est-ce qu'on peut donner plus de détails sur cette participation première dauphine Guinée-France 2023? Bien sûr, alors c'était l'année dernière, donc j'ai candidaté pour, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Vas-y, en fait, en 2012, je ne sais plus quel âge je devais avoir, je ne sais plus, 13 ans environ, je suis tombée sur une vidéo YouTube de Miss Guinée France, et moi je ne savais pas que ça existait en fait.
Et là, je me suis dit, ah, donc ça existe. Bon, quand j'aurai l'âge de me présenter, je vais participer à cette élection. C'est un rêve qui devient réalité aujourd'hui. C'est ça. Et je me rappelle que j'avais passé toute la journée à regarder Miss Guinée France, Miss Guinée Amérique du Nord. Ouais. Donc, je t'imagine en train de marcher un peu dans ta chambre, en train d'imiter un peu. C'est comment ça. Est-ce que je vais. Non, j'essaie de faire mon petit film dans la tête. Alors, du coup, c'est un rêve. À mettre les talons de ma mère et tout, il y a ma fille un peu partout. Heureusement que tu t'es pas foulé la cheville. Hein. Bon, bref. Tu as été élue première dauphine Miss Guinée. Quelle sensation ça t'a donné? Est-ce que ça t'a donné envie de continuer? Alors oui, franchement, je suis très très fière de moi parce que il s'agit quand même de Miss Guinée France. C'est ça. C'est représenter la diaspora guinéenne de France, donc c'est un honneur, c'est une responsabilité. Donc je suis très, très fière de moi. Et à l'issue de Miss Guinée France, j'ai commencé une carrière de mannequinat, de modèle photo, parce que je me suis rendu compte que j'avais un beau profil. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont approché. Mais oui. En tout cas, ce qui concerne le profil, ça va. Nous, on a des images, on a des photos, donc ça va. Oh, merci. Ok. Donc, toutes ces personnes m'ont encouragée à aller encore plus loin, à viser encore plus haut, donc Miss Guinée nationale, représenter le pays. D'où la candidature pour le mois prochain, on va dire Miss Guinée 2023, c'est le 25 novembre. Alors, comment ça se passe les préparatifs? Alors, les préparatifs se passent très, très bien. J'ai une équipe qui m'accompagne. Déjà, à Paris, j'avais des coachings, donc une équipe qui m'accompagnait sur place. Et là, en Guinée, on a encore une équipe. Donc, on travaille pour vraiment bien faire les choses afin de rendre fiers toutes les personnes qui me soutiennent. Et d'ailleurs, là, le voting a commencé. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, je vous invite à voter pour moi. Il faut en profiter. Le numéro 21. Il faut en profiter. Numéro combien? Le numéro 21. Non, on va noter ça ici. Tant pis pour les autres miss qui passent pas nous voir. En tout cas, nous, on a notre numéro 21. Il faut noter ça hein, quelque part. Nous, on va voter pour numéro 21. Surtout qu'elle a été miss première dauphine. Hein, miss. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que tu as assez de chance hein, parce que remporter quand même le titre de première dauphine pour la participation Miss Guinée-France et revenir au pays, c'est vrai que c'est serré. Hein. Il y a beaucoup de jolies filles en Guinée, hein, au pays, hein, ma grande. Je sais que tu es très belle, mais ça va être très, très serré, très, très serré. Bien sûr, tout le monde sait que les femmes guinéennes sont belles, et ça se dit partout dans le monde. Mais moi, je suis très sereine, très positive, parce que, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je prépare cette élection, que je me prépare pour ce concours. Donc, je pense avoir toutes les compétences, à mon humble avis, hein, pour représenter notre pays, pour participer à cette aventure. Et bien évidemment, les autres Miss aussi sont incroyables, elles sont très belles, elles ont de beaux projets pour notre pays. Ça va être serré, c'est... Mais je suis positive. C'est bien d'avoir l'état d'âme, là c'est bon. Alors tu vas rester avec nous, on va marquer une courte pause parce que j'ai un petit clip à te proposer. On va partir avec un titre de Azaya qui nous chante Miss Guinée. Et on va partir avec cette Miss Touré, tu la connais? Oui, je la connais. Bien, on va partir avec ça. Tu restes avec nous, puis on viendra terminer avec toi sur ton projet. Pourquoi pas, et d'autres questions. Allez, en direct. Ça va, à tout à l'heure. Soy tu vinilo bien, y la musoya de
na ki fudu benyana Alhamdulillah afo wala dike Idiyana kemera na C'est alors on est en direct avec Miss Ba. Elle est la première dauphine Miss on va dire Miss Guinée-France 2023 et participe à l'édition 2023. C'est prévu pour le mois prochain, le 25, si tout va bien. Et elle reste sereine, elle est positive dans la tête. Alors quand on regarde cette vidéo, certainement que ce sera la prochaine Miss aussi, hein, qui on va chanter un titre peut-être pour elle la prochaine fois, avec un peu de chance. Mais comme on l'a dit, ça sera serré, hein. Mais on a vu quand même Miss Touré, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de Miss Touré, hein? Parce qu'elle est quand même ouf, hein? Bah, est-ce que tu tires une leçon? Est-ce que ça t'inspire? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Miss Touré? Bah, je pense que tu viens. C'est une Miss, elle a été élue Miss Guinée 2019, il me semble. Donc, je pense que tu viens. Après, toutes les autres Miss sont inspirantes. Il y a énormément de Miss en Guinée qui m'inspirent. Qui ont eu de beaux parcours, qui ont bien représenté la Guinée. Donc, par exemple, Sarah Mbak nous a bien représenté à Miss Monde. On a Miss Harry Fidivé, qui était très impliquée dans l'humanitaire. Voilà, on a toutes ces Miss qui sont très, très inspirantes. Et donc voilà. Alors, on va parler de critères. On a parlé de projets. C'est bien que c'est obligatoire pour vous, les participantes, d'avoir un projet. Et toi, tu as choisi l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et puis, voilà que ça, on t'accompagne un peu partout. C'est déjà une bonne chose. Est-ce que tu viens avec un léger avantage, on va dire, par rapport aux autres, en ce qui concerne le choix des sujets? Alors, je ne pense pas que j'ai un avantage quelconque. Il faut savoir que ce projet, comme je l'ai dit, vu que c'est quelque chose que j'ai commencé depuis très longtemps, donc là, je devais venir en Guinée pour le mettre en place. Donc, même si je ne participais pas à Miss Guinée. Et donc, c'est tout ça d'ailleurs qui m'a motivée, parce que je me suis dit, bon, tu as démarré une carrière de mannequinat, tu défiles, tu as un projet humanitaire que tu défends, et il y a Miss Guinée qui tombe pile poil au bon moment, donc... Bien. Ce que tu as toujours voulu faire, alors... Alors, nous avons 5 minutes pile poil à passer ensemble. Quels sont les critères cette année pour cette édition 2023? Alors, les critères, il me semble, il faut être majeur, il y a un critère de taille, donc 1m70. Et toi, tu fais combien? Ah, allô? Je fais 1m72. Oui, bah, c'est évident, hein, parce que c'est les critères. Alors, si tu faisais plus, c'est évidemment que tu n'allais pas participer. Mais tu peux faire moins, non? Ou bien, il faut faire forcément la taille demandée. Minimum 1m70. D'accord, ça c'est un critère. Il me semble. D'accord, ça c'est un critère. Ensuite, être de nationalité guinéenne, d'accord et tout. C'est ça. Et il faut aussi avoir un projet entrepreneurial. Je n'en ai pas parlé là, mais il faut avoir un projet entrepreneurial. Parlons-en. Et le mien, en fait, c'est la fabrication de shampoings solides made in Guinée. De shampoings solides. Ah, la fabrication de shampoings solides. Oui, c'est ça. En fait, le comité Miss Guinée demande à ce que chacune ait un projet entrepreneurial qui va avoir un but social. Donc moi, mon projet, c'est de fabriquer, de créer une entreprise donc de cosmétiques, de fabrication de shampoings solides. Et la particularité de mon projet, c'est que comme je veux que ça puisse en fait avoir une dimension sociale, c'est-à-dire que les personnes qui vont être embauchées, ça va être des personnes en situation d'handicap et des personnes et des femmes victimes de violences conjugales. Donc ça, c'est le côté social du projet. En plus, on va avoir un côté environnemental. Donc on va utiliser des ingrédients naturels, des ingrédients bio pour préserver l'environnement. D'accord. On a pensé à tout. Donc c'est ça, il y a une double dimension, environnementale et sociale. Eh ben, ça fait une grosse pression hein, avec l'édition qui arrive, avec les projets qu'il faut préparer, avec tout. Ben, j'espère que ça va, elle est grande, hein, gère tout ça. Et puis, puisque nous, on parle développement, on parle entrepreneuriat ici, dès que tout cela sera réglé, ben, il faudra revenir nous voir sur Kavi, hein, pour qu'on en parle, ma grande. OK?
Avec plaisir, avec plaisir. Alors, je sais que la journée est chargée, je sais que tu es arrivé, tu es un peu fatigué, ça tombe bien, on est presque à la fin de cette émission. Alors, est-ce que on peut laisser un message pour toutes ces candidates qui vont compétir avec toi et pour toutes ces filles qui rêvent de faire comme toi, c'est-à-dire devenir Miss Guinée, pourquoi pas participer à Miss Guinée ou pourquoi pas mannequinat. En tout cas, un message fort pour ces filles-là qui rêvent de faire du mannequinat et d'être pourquoi pas Miss un jour. Alors, pour toutes ces jeunes filles, je leur dirais d'abord privilégier les études parce que c'est très important de se former, d'avoir un métier, d'avoir des diplômes. Et ensuite, de travailler vraiment dur parce que quand on veut devenir Miss, c'est beaucoup de travail. Donc, de travailler dur et puis surtout de croire en elles, de croire qu'elles sont capables de faire tout ce qu'elles veulent, en fait. D'accord. Donc, voilà. C'est un message fort. Et pour toutes les autres Miss, je leur dirais que j'ai hâte de les rencontrer. Je suis là. Ça va chauffer. Est-ce que tu essaies de les faire peur là? Allez. En tout cas, on te souhaite de faire leur connaissance et de vivre cette belle aventure avec elles. On te souhaite bonne chance ainsi que toutes les autres candidates d'ailleurs, parce que à l'issue de cette édition 2023, on saura qui sera la Miss 2023. Pourquoi pas Miss Ba, parce que voilà, on va remettre encore les images de Miss Ba parce que franchement, elle est très bien arrêtée, elle est très belle. Et d'ailleurs, en parlant de belle et tout, bon, on a fini l'émission. Maintenant, ça c'est entre toi et moi. Ce week-end, on est où? Alors, ce week-end, il y a beaucoup de programmes. Ah ben donc, zut alors. On va avoir le cours. C'est pas grave. Il y a beaucoup de programmes, mais bon, on en vous parlera. Sinon, je t'invite à rester avec nous demain samedi à partir de 20h. Il y a une émission qu'on appelle Kavi Week de 20h à 21h30. Ben, c'est sur la 89.5. Justement, j'invite tout le monde et ce sera avec moi. Et ben, où est-ce que vous allez ce soir? Avec qui sortez-vous ce soir? Combien allez-vous gaspiller ce soir? Et puis, mon technicien du jour va vous mettre le son après cette émission, bien sûr. Et puis, j'espère que tu vas suivre et que tu vas bien t'amuser. On te souhaite bonne chance, ma grande. Et surtout, allez, de m'avoir reçu. De rien, c'est quand tu veux, je suis Kavi. Merci. Au revoir. Voilà. Merci, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Alors, nous étions avec Miss, pour récapituler, hein, Miss Mariam Ba, elle a été élue première dauphine Miss Guinée-France l'édition qui est passée, et elle se prépare pour l'édition sur le plan national, Miss Guinée 2023, qui se déroulera ici à Conakry le 25 novembre prochain, 2003 bien sûr, si vous voulez, et elle est candidate, elle reste sereine, elle est positive dans la tête, elle venait parler de son projet, bien sûr, sur les personnes, on va dire l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle vous a aussi parlé des projets qui lui tiennent à cœur, qui sont imposés d'ailleurs par la commission, par le shampoing Made in Guinée. Bref, on lui souhaite bonne chance dans tout cela. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous ceux qui nous ont appelés lors de cette émission, pendant cette émission. Tout à l'heure, Adama Barre vient pour le bulletin d'information. Et puis à 9h pile poil, vous serez avec l'équipe d'Abdallah, je vous ai dit. Et il y a des ministres qui sont dans le collimateur de la CRIEF. Et il y a bien sûr les DAF qui sont convoqués au palais Mohamed V. Voilà. Je suis sûr que les choses vont rentrer peut-être dans l'ordre. Ou bien j'espère que ce n'est pas du tape à l'œil. De toute façon, vous en saurez plus avec ceux qui savent mieux le dire. C'est Abdallah et son équipe. C'est le scanner. C'est l'émission. Ce sera tout à l'heure à 9h. Quant à moi, on se retrouve demain à partir de 20h, comme je l'ai dit, sur Kavi FM, la 89.5, pour votre émission. Kavi Week, où est-ce que vous allez ce soir? Avec qui sortez-vous ce soir? Combien allez-vous gaspiller ce soir? Si vous n'avez pas de copains, de copines, vous laissez votre... Bref, passez un bon week-end. Dieu vous garde. On est vendredi. Merci à Kandé du côté de la technique radio. À Kourouma. Désormais, je vois que Kourouma, c'est un oncle aussi. À Kourouma, Robert, du côté de la télé. Et à mon neveu, Vaba Kouévogui. Merci à tous les Kouévogui, les Thomas qui m'ont appelé et tout. On va se retrouver demain. On se dit au revoir avec un titre justement pour réconcilier, pour resserrer les rangs, la main sur le palpitant. Voici Tonon Wako. Tonon Wako, bien, c'est un conon, hein, c'est dans Lula. Il est en featuring avec Striker, bien sûr. Et puis, on vous laisse sur ce. Passez un bon week-end et restez sur Kavi. C'est ici que ça se passe. Bye bye, au revoir. Il
tonu wako ko wabela kiba kama wako tonu wako ko bela kiba yile baga kupotai te togo kanilo ni la me kanilo ni li la me gama kanilo ni li la me na 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 li la me nya vange le ba depo le ba depo wakala kia kaka doma doma kaka doma Nyama pugwa pa jalke, gwa pa jalke, gwa pa jalke Nana gama kukalila Kakupa kwenye nenge kukalonge Kukamunu pa nebe kwele longe Mwa pala kiba kukalila